Bonjour tout le monde, c'est j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Len Island. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc vous voyez, j'ai fait le bouclier. Je préfère ce bouclier, même si l'autre était mieux, mais il me ralentissait énormément. J'ai la Fola pour récupérer plus rapidement les cultures. Et j'ai aussi rajouté des crops partout par là. Ainsi que des treillis pour pouvoir cultiver les fruits de la passion ainsi que les le raisin. Et j'ai construit ceci qui va me permettre de coupler ça avec le château d'eau. Qui est là pour pouvoir arroser mes crops sans que j'ai besoin d'y aller tout le temps. Grosso modo c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, je vais récupérer ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai un nouveau bateau. Ah, j'étais obligé. Mon nouveau bateau qui est là. Un beau tracker viking. Très très beau. Et j'ai aussi pu récolter... Ah là là, c'est double porte. L'ensemble des objets qui sont nécessaires, sauf le bois que j'allais chercher, pour crafter, pour upgrader le workshop. C'était pas mal dur. Ce qui m'a permis aussi de voir en fait que dans la grotte qui était difficile, enfin pas enfin si difficile mais aussi avec le comment s'appelle le rocher impossible à miner, j'y suis retourné pour justement récupérer les ressources que j'avais besoin pour upgrade le workshop et j'ai vu qu'il y avait une stèle à activer, donc on va aller activer la stèle aussi. Donc on upgrade level 4 et là on a... Wow. Il nous faut du pur titane. Il nous en faut 6. Wow. Et il va nous falloir beaucoup de titanium. Il nous en faudra 6, 9, 12, 12 minimum. Ok, 12 minimum. Et est-ce qu'on a débloqué quelque chose? Ici, on a débloqué la table d'alchimie et les cotes ouf. I don't know what is this. Mais là, mon objectif, ça va être ça. Le wooden tower. Le wooden... le moulin à vent. Pour avoir de quoi manger et de quoi optimiser mes crops. Grosso modo. Du coup là je vais aller voir justement mes crops pour voir si je dois arroser ou pas. Je dois arroser. Ah, j'ai mes ces trucs qui sont prêts à être prises. On va récupérer. Je fais ça avec vous, comme ça je vous montre un petit peu ce que je fais en forme sur le côté. Il faudrait le dernier petit onglet pour récupérer. Le dernier petit onglet là au niveau de la ceinture. Il me faudrait de temps. Ah, j'ai fait l'arroseur aussi. Du coup, hop, on arrose tout ça. Oh non, 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 non. Arrose là aussi. Ah, il a pas arrosé là. Chaque fois j'essaie de faire 4 par 4 mais ça c'est difficile. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien ce côté survie où on doit gérer son agriculture et tout ça. Là. Je trouve ça vachement cool. Et très plaisant. Les deux derniers. Et voilà. On va prendre la faux. Et normalement, ce petit coup de faux. Voilà. C'est censé en faire plus, je crois. On va planter. Hop. Voilà. Du coup, on va poser la faux, on va poser l'arrosoir, on va reprendre la torche.
Ah oui, j'ai fait une nouvelle torche aussi. La torche et l'arrosoir, c'est... On va mettre les poires. J'ai pas encore trouvé des graines de bananes. J'ai envie de planter des bananes, mais j'en ai pas trouvé. Direction le Drakkar et l'île. On va sur cette île-là pour activer la stèle. Et donc on va aller activer cette pierre. À force, je connais le chemin par cœur. Parce que je viens pour farmer ici, comme je vous l'ai dit. J'aimerais que les petits monstres ne soient pas avec toi, mais vraiment, j'ai pas de chance. Alors, on évite le piège là, le piège là. Ah ouais, ça repop. Voilà. Donc là ici c'est mon point de sortie en fait. Si je galère, je saute là pour échapper au bête qu'il va avoir plus tard. Ouais, c'est tout un calcul. Là, ceux-là là, sont horribles. D'à côté, il n'y a que eux. Car j'ai détruit les points de spawn tout à l'heure. Donc on va activer ça. Activate. Ok. Et donc normalement. Oh. Et donc normalement on va pouvoir aller, on va pouvoir sortir et se diriger vers le donjon qu'on devait faire de base. Attendez, faut sauter là. Voilà. Donc ça va, on est rapide. Ça je peux plus en prendre parce que je suis full. Il en faut 350 pour le nouveau sac à dos. Il faut une potion de soin et une potion de... j'ai oublié le nom. Aïe. Ça fait mal. Wow. Je suis level up en plus. Je suis à combien de points? 2. Il m'en faut 6 là. Okay. Donc je suis là, j'ai récupéré ça. Et je vais aussi casser les deux cailloux de ressources que je désire. Je vais vous montrer lesquels pour faire le titanium. Alors celle-là c'est juste du charbon, mais j'ai besoin de charbon. Et normalement c'est... Elle doit être par là, si elle respawn. Il y en a des mobs aussi donc. Peut-être que je les attaque, mais peut-être qu'elles sont inoffensives. Ah, pas du tout. Alors, elle est où cette pierre? Tac, 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 c'est pas elle. Vous savez, c'est les grosses, grosses pierres. Croix maroucheux. Là-bas, voilà. C'est ce truc-là.
Alors, on n'en a pas beaucoup à chaque fois. Et je crois qu'il n'y a que deux pierres sur le sable. Et que tout le reste se trouve en fait dans le donjon. Et honnêtement, j'ai pas envie de tout faire. On aura peut-être sur l'île où on va aller encore. Donc, on va voir ça. Je récupère le charbon. Ah, j'arrive plus à faire les CC. Allô, le CC? Alors, je continue. Non, je crois qu'il n'y a plus de pierre. Bon, c'est pas grave. On se retrouve à l'île. On approche des côtes de l'île. Je la vois pas. On est loin encore? Ouais. Il y a des monstres, ok. On va faire le tour pour voir combien de surface elle fait. Encore une île là-bas. Ok. J'ai envie de voir cette île en premier en fait. Je me dis qu'elle est plus petite. Il y a quoi là? Il y a des poiriers, non? C'est pas des poiriers? Il y a peut-être encore une île juste au-dessus, décidément. Il y a du pain. Ok. Il y a des fleurs, toutes sortes de fleurs. Bon, on va l'accoster. Waouh! Ok, on ne veut pas les tuer. Mais ça m'a fait terriblement peur. Oh! Ah ouais, c'est chaud! Ah ouais, carrément quoi. Ils ont aucune pitié pour moi alors. Je crois que je vais fuir. Hein J'aurais fait mal ou pas? Ah, j'en ai tué un.
Punaise! C'est méga violent! Je crains le pire hein, pour ce donjon, honnêtement. Oh, c'est un poirier? Non, c'est de la mangue. Génial, j'en avais pas. J'en avais pas. Ça fait peur. Ah, il me faut une nouvelle épée et tout, je pense. Je pense qu'on va partir sur la nouvelle épée directe. On est où là sur l'île? On est tout en bas, ok. Il y a un truc pour descendre, enfin un truc, un escalier. Je suis choqué par le... par la violence des mobs qu'on vient de rencontrer. Je m'attendais tellement pas à ça. Ah, il y en a encore un devant là. Voilà. Ok. Grosso modo, faut rester caché le temps de leur attaque. Alors là, je fais des ressources. Attendez, il est plus grand que les autres, celui-là. Ok. Pour l'instant, on gère. Vingt-sept. Je crois qu'il en faut 7 pour faire un truc. Donc là, on peut en faire 3. Si je dis pas de bêtises. Attendez, il n'y avait pas un. Si, il y en avait un là. Ouais, standard. J'ai combien de. 3. Il m'en faut 6, j'ai dit. Oh là là. D'accord. What? Ah, il y a des yeux de partout encore.
Ok, donc ça c'est activé. Quoi? Pourquoi j'étais blessé? Je sais pas. À cause des pics? Ah, du coup, je vais continuer à explorer, hein. Il faut le stuff. Hein. Il nous faut un bon stuff. Ouais. Parfait. Alors. Ah, la map est quand même pas mal grande, hein. Enfin, l'île. On regarde des arbres aussi. Du coup, on a trouvé de la mangue. Moi, j'aimerais bien des bananes. Ah, oh, il y en a un géant. Deux géants. On a quoi par là? Ah, c'est pour aller sur l'autre côté de l'île? La petite île là? Ok. Punaise! Là, y a rien. J'espère que vous voyez, hein, parce que... La ferraille. Le truc chelou, je sais pas c'est quoi. Des tonneaux. Ok. Ah, je crois qu'il y a que ça sur cette petite île. Ouais. On va reprendre le pont, direction... ouais, à droite. Là, c'est de la pierre, j'en ai pas besoin. Du sable, j'en ai pas besoin, j'en ai mis dans les réserves. J'en ai un peu plus de 250, je crois. Des morts. Ouais, il me faut cette épée. Hein. Je pense que je l'ai tué plus facilement. Charbon, je vais pas le prendre, c'est trop rare. Tu nies. On a quoi là? Du sable encore. Ah. Voilà, quand on connaît la technique, il est pas si dur que ça celui-là. Hein. Parfait, on va pouvoir en faire... je crois que j'en ai vu 39, c'est ça? Presque 10. Pas du tout. Ah, je raconte que des conneries. Ah, il y en a encore. Ah non, c'est du fer ça. Mais je le prends parce que j'ai besoin de fer. Tac tac tac. Ouais, on va retourner donc au donjon. Il y a une grotte. Charbon, plus besoin. Ah.
On va les laisser tranquilles. À chaque fois, j'appuie sur tab parce que je me trompe de bouton. J'ai l'impression que c'est mon. Enfin, je cherche à. Comment dire. Tap sur les autres jeux, c'est la map. Alors, j'ai trop l'habitude de faire tap pour afficher ma map. Mais en fait, il n'y avait pas d'autres. Ah, mais non, c'est bon, en fait, je l'ai fait du coup. Ouais, ouais, c'est fait. Ok, nickel. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est direction l'île principale, la maison, pour voir si on peut faire la prochaine épée. Alors, nous revoilà sur l'île. On va pas s'embêter, on va directement dormir. Je vais prendre l'arrosoir parce que je sens que je vais devoir arroser les cultures. On va faire les 3 lingots de titanium pur. Alors il faut ça. On va tous les faire. Pour pas avoir de problème. Je crois qu'on va en avoir que 5. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a nos baies. Et on a level up. C'est ça? Ouais. 4 points. Critical, item monte, plus 20%. Ouais, non, je préfère vraiment attendre ça. Hop. Une plante. Alors, on a des mangues. Vas-y, on va faire une mangue. Là, là, on plante ça. Ça, on récupère. On replante un fruit de la passion. Ça brille encore quelque part, là-bas au fond. Voilà. Petit arrosoir. Mais non, arrose celui-là, là aussi. Punaise. Voilà. Mais non, c'est de l'autre côté que je suis. Parfait. On n'a même pas une qui a été faite, quoi. C'est quoi d'habitude? C'est la torche, je crois. On va regarder les autres ingrédients pour l'épée. Alors, c'est 3 titanium. Ok, ça c'est bon, on va pouvoir le faire. Là, c'est 3 titanium aussi. Et... Oh, attendez. Oh, je sais pas. Je sais pas combien on va en avoir. Non, non, on va en avoir que 5, je crois. Ouais. Bon, bah du coup, je vais attendre que ça se finisse. Et puis, une fois que fini, bah, on continue la quête. J'ai aimé 3 lingots de pur titanium, on va aller faire l'épée directement. Il m'en manquera plus qu'un pour faire la pioche la prochaine fois.
Mais là, je crafte l'épée. Et normalement... Tadam! J'espère que ça va faire l'affaire. J'ai vu aussi que je pouvais faire le petit château d'eau. Alors on va le faire. On va déblayer le terrain un petit peu. Et je vois que ma lavande est prête à être cueillie aussi. Voilà. Alors pour faire le château d'eau, il nous faut quoi? Il nous faut... On va le mettre en pierre. Je crois qu'en pierre, il était beau. Ah non. Ornata? Non. Pagoda? Non, on va le laisser en bois. Hein. Ouais, en bois, il est pas mal. Il nous faut 150... Voilà. Ah, ça marche comme ça. Fais voir. Faut en mettre plusieurs alors. Attendez. Attendez. Je viens d'avoir une idée. Si je mets le château d'eau là. Alors comment on tourne déjà ça? Non, on tourne pas comme ça. Comment je peux le tourner? Je peux pas tourner l'objet? R, pardon, excusez-moi. Et si je le mets là, je peux pas. Ah si si si, regardez. Ouais mais ça va. Ça va pas en faire beaucoup, je crois. Hein. Ouais, ça en fait pas beaucoup. Ouais. Du coup, je vais faire comme ça. Voilà. Bon, ça va pas alimenter tout, mais ça va faire une grande partie. Au pire, j'en ferai un autre. C'est pas bien grave. On ramasse les fleurs. J'en mettrai un autre au milieu. À l'emplacement là. Voilà. Hop, on prend tout. Décidément, j'en ai des graines de lavande. Il y a un arbre là, là aussi. Là, il n'y a rien, je crois, non? S'il y a un arbre... Ok, bon, c'est pas grave. Je vais me coucher vite fait. Je déteste la nuit sur ce jeu. C'est peut-être un des problèmes. Quoi? Attendez, je peux pas récupérer mon...
Attendez, je suis où là? Il n'y a pas un petit problème? Attendez, je crois que j'ai un problème. Voilà. Là, c'est mieux. On peut l'upgrader encore? Waouh, on peut l'upgrader encore, mais il y aura quoi après? C'est fou ça. On va voir quoi après. Ah, il veut pas de mon deuxième étage. Ah, flûte. Bon, je vais mettre un lilas, hein. J'ai pas le choix. Mais c'est quoi le problème là? Pourquoi je peux pas avoir mon... Je suis pas fou, hein. Ah, voilà, là c'est bon. Ok. Bon, on perd pas le temps maintenant. Direction. Direction. Bah, c'était là. On va accoster là. Donc, déjà, il y a du sable. Il y a du sable qu'on peut récupérer. Yes. Alors. Il y a quoi comme bébête ici? Ça va. Level up. Oh, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Des bananes. Ça, je peux pas full bateau. Des myrtilles. Le donjon est là. Je vais voir combien si c'est possible de le tuer. Je pense qu'on va s'en sortir. J'ai level up, c'est ça, il me semble. Niveau 5, encore un point. Oh, vous avez vu, c'est quoi? Ah, de l'argent au-dessus. Comment on fait pour y aller? Ah, viens là, toi. Easy. Ok. Je le sens bien. Je le sens bien. Ouais, ça va. Du fer, il me faut 100, je crois, pour crafter le moulin. Donc j'en profite. Et on va rentrer directement dans le donjon. On a fait le tour. Alors. Ok, là, il n'y a rien. Ouf. Oh là, ceux-là, ils ont l'air plus gros que d'habitude, non? J'ai cru qu'ils étaient plus gros. Là, il y a... On peut descendre par là.
Ok. On va voir ce qu'il y a en bas. Ah bah c'est bon, on arrive à la fin. Oh, j'en pouvais plus. Et je level up encore. Oh, allez, on le fait, allez. Ok. Du coup, je vais pas perdre de temps. Je vous reprends la sortie du donjon. J'ai enfin trouvé la sortie de ce satané donjon. On file directement au Drakkar. Je vais aller sur l'île. On va aller voir ce qu'on peut crafter. Et je pense qu'on va s'arrêter là en fait. Je pense qu'on est pas mal. On a fait pas mal de choses aujourd'hui. Où je vais, moi. Oui. Du coup, direction l'île principale. Et puis, on va voir ce qu'on peut crafter. On va le faire ensemble. Du coup, nous revoilà sur notre île. On va aller voir ce qu'on peut crafter. Déjà, on va mettre en fait les lingots en route. On va aller dormir après. Hop. Ah, j'avais pas assez de charbon. Voilà. Hop. Et on va en avoir encore 4. Donc 4. Alors, on va crafter d'abord en priorité la pioche. Voilà. Et ensuite, soit le bouclier, soit la hache. Moi, j'aurais tenté plus par le bouclier, honnêtement. Ouais, on va faire le bouclier. On va faire le bouclier en off. Je vais farmer pour pouvoir récupérer de quoi faire les 100 morceaux de fer. Je sais pas comment ils appellent ça. Pour faire le wooden mooling. Donc le moulin à vent. Et puis voilà. Je pense qu'il y a moyen. Faut que je trouve aussi comment faire de la farine. Il me faut 75 de verre. Ah, je vais essayer de le faire, ça aussi. Ouais, on a... Ouais, je vais faire pas mal de trucs. En off. Vous verrez ça, donc, la prochaine fois. En tout cas, moi, je vous remercie de suivre l'aventure. J'adore les Netherlands. Je trouve le jeu vraiment bien. J'ai hâte qu'ils fassent des mises à jour pour vous les présenter. Mais j'espère que ce petit let's play vous plaît. En tout cas, moi, je vous remercie de regarder la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.